Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 7 septembre. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? Bah, à force, vous connaissez le truc, hein. On est sur Terre, la bonne blague, et puis on regarde autour de nous comment tournent les planètes, hein, autour de nous. Et la nouvelle lune, quand on est sur Terre, on regarde l'axe dans le ciel, et le Soleil et la Lune sont conjoints. Hein, nouvelle lune, c'est pour ça qu'on ne la voit pas, la Lune. Bah ouais, elle passe devant le Soleil, donc la nuit, le Soleil ne l'éclaire pas, la bonne blague. Bref, nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Dans le signe de la Vierge, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai du mal à regarder devant, en fait, à chaque fois que je regarde l'écran. Enfin, bref. Allez, la nouvelle lune en Vierge, c'est quoi? Conjonction Soleil-Lune, le conscient Soleil, l'inconscient, la Lune, les deux dans le même signe, les deux dans une dynamique qui amorce un signe qui va durer un mois. Pour qui elle veut du bien? Elle veut du bien à qui, ma nouvelle lune? Elle va apporter, déjà, avant tout, il faut avoir en tête ce que c'est. C'est un point de liaison, un nouveau démarrage, un mois à peu près, 28 jours et quelques, etc., durant lesquels on va amorcer une sorte de rééquilibrage entre ce que l'on projette de façon consciente, solaire, et la manière dont on fonctionne avec nos ressentis, notre histoire, notre enfance, notre quotidien, notre vie de tous les jours en fait. Et cette connexion-là amorce un nouveau cycle pendant un mois. Voilà. C'est un peu redondant ce que je suis en train de vous dire. Bref, dans tous les cas, excellent pour qui? C'est ça qui nous intéresse. Pour qui est-ce que c'est bon? C'est bon pour mes vierges. Hein, vous démarrez là un mois, des nouveaux projets, ça repart, ça redémarre, là, c'est super. Mais aussi pour mes taureaux, pour mes capricornes, les trois signes de terre sont super privilégiés. Là, c'est ce qui démarre en ce moment, mais aussi si cette conjonction Soleil-Lune est en Vierge, elle apporte des bonnes énergies à mes cancers et à mes scorpions. Vous plaignez pas mes scorpions, hein, vraiment, là, la période adoucit un peu, ça va aller mieux. Hein, moins de stress, moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Cette nouvelle lune, elle est extrêmement fécondante, elle est positive parce que je vous garde pour la fin un truc qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a en ce moment dans le ciel, à partir de ce mardi 17, toutes les planètes rapides qui forment des aspects super heureux avec les planètes lentes. Ça, c'est vraiment rare, c'est pour ça que je vais vous faire un avis sur le sujet à la fin. Bref, excellent, on l'a vu, les cinq qui sont les super gagnants. Hein. Mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, et puis mes cancers et mes scorpions. En revanche, mes petits poissons, je ne parle pas de vous depuis 2 semaines, c'est vrai, j'en conviens, mea culpa, mea maxima culpa. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont dans le signe de la Vierge, elles forment avec vous des oppositions. Alors, je vais parler un petit peu de mes poissons, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas gâté depuis 15 jours. Donc, comme il n'y a pas, tout est en opposition, ça crée des tiraillements, il faut être lucide, c'est comme une pleine lune en fait, hein, c'est en face. Donc, ce que vous risquez, mes poissons, c'est d'être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, une perméabilité affleurante sur un plan relationnel, avec vous êtes pas plus fragile, ça serait, mais peut-être plus flou dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, d'hésitation, d'indécision, etc. C'est normal, mais ça va passer, hein, à partir du 22 septembre, 23 septembre, pof, on passe à autre chose. Tenez le coup, ça n'a pas duré. Et puis, mes poissons, je polarise, j'en ai pas parlé 2 semaines encore une fois. Mes poissons, en ce moment, vous avez Neptune chez vous. Et puis Neptune, c'est une grosse planète, c'est un gros morceau, quoi. Il augmente votre sensibilité, il augmente votre intuition, votre perméabilité, votre réceptivité, votre délicatesse, votre sensibilité, votre altruisme, hein, qualité formidable chez le poisson, votre gentillesse foncière, profonde, fondamentale, essentielle. Ces cœurs comme ça, je vous raconterai un jour des histoires que j'ai vues en clientèle. Avec des profils poissons qui sont oh, des bonheurs de Mère Teresa. Voilà, j'ai une affection pour les poissons. Tout ce qui, dès qu'il y a du cœur, de l'humain, de la gentillesse, c'est évident. Donc, pas de panique, ça va s'éclaircir, même c'est pas le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, vous l'avez compris, les cinq gâtés, Vierge, Taureau, Capricorne, hein, pour le mois qui démarre, mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, ça démarre pas mal, vraiment. Ensuite, il y a dans le ciel d'autres choses. Alors, il y a aussi Mars, pardon, je m'embrouille un peu. Il y a Mars qui est en Vierge. Mars, l'action, donc ça en fait trois. Soleil, Lune, Mars. Hein, donc, vision lucide, sensibilité tout à fait maîtrisée et capacité à retrousser les manches. Je l'adore cette expression. Et puis, on y va, on bosse, on se prend en main, on a des projets concrets, on avance, quoi, c'est de la Terre. Hein. Donc, voilà ce qu'il y a dans le ciel pour les cinq dont j'ai parlé. Mais pas que. Pas que, pourquoi? Parce qu'il y a également, toujours, toujours, en ce moment, Mercure la communication, Vénus l'affection, l'amour, dans le signe de la balance. Or, j'en ai parlé dans l'horoscope, cette conjonction, cette liaison de deux planètes sur les trois outils qui sont Mercure comme on communique, Vénus comme on aime, Mars comme on agit. J'en ai deux en balance. Et effectivement, en balance, ce n'est pas les plus moteurs, il faut être lucide, mais en revanche, ce sont très certainement ce que je considère comme étant les plus doués,
les plus talentueuses pour s'exprimer avec douceur, gentillesse, fluidité, harmonie, élégance, charme, délicatesse, fluidité, pour faire en sorte que tout le monde s'entende. Il y a un côté arbitre, il y a un côté bonne volonté active qui fait que plutôt que de se confronter à l'obstacle, on va dire, bon, attends, on va se poser, on va voir, toi tu veux quoi, ok, toi tu veux quoi, bon, peut-être qu'on peut trouver un compromis ici, 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 là. Et c'est tout à fait intelligent, fin, judicieux, et puis on a tout à y gagner. Quand on communique par la douceur et qu'on essaye aussi d'entendre le point de vue de l'autre, parce que c'est profondément intelligent, Mercure en balance. Pourquoi? Parce que la capacité qu'on a avec ces deux planètes qui sont dans ce signe de la balance, donc qui nous colorent collectivement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Trouver le mot juste, dans un premier temps écouter le point de vue de l'autre, absorber l'information pour ensuite poser des questions. Hein. C'est une communication non violente. Moi, je suis très adepte de ça. Communication non violente. Hein. Plutôt que de rentrer dans le lard, rapporte rien, l'autre il se ferme, c'est un écoutille, c'est un blocos, les oreilles de celui qui est en face, si on lui vole dans les plumes. Donc, profitons de cette période protégée, s'il en est, pour s'entendre, déjà, d'un point de vue oratoire, verbal, conscient, Mercure, hein, pour trouver des solutions adaptées, et en même temps, avec Vénus, j'en remets une couche, avec Vénus en balance. Pff, magnifique Vénus en balance, souplesse, douceur, charme, besoin d'être aimé, besoin d'aimer, oh, câlin, affection, plein de bonnes choses avec Vénus en balance. Voilà ce qu'il y a dans le ciel en toile de fond. Et ceux qui sont particulièrement gâtés par ces planètes en balance, je vous les refais, c'est mes balances, mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Lions et mes Sagittaires. Vous cinq, ces deux aspects de Mercure et de Vénus dans le signe de la balance, ils sont magnifiques. Hein, magnifiques. Pour se parler, se comprendre, s'entendre, et pour tout ce qui concerne la vie affective, amoureuse, les liens, les rapprochements, tout ça, vous êtes les grands gâtés. Les grands gâtés, communication, affection, attention, je les refais vite fait, hein, on l'a vu, donc c'est mes balances, mes gémeaux, mes verseaux, et mes lions et mes sagittaires. La vie est belle. Allez, je vais terminer par. Oui, je n'ai pas parlé de mes poissons, j'en suis bien désolé, hein, je vous ai dit déjà. En ce moment, mais ça va aller mieux très vite, n'inquiétez pas. Et puis, je voulais vous parler des aspects qui sont tout à fait intéressants à ce moment dans le ciel, à partir de ce mardi 17 septembre. Il y a ce qu'on appelle des trigones collectivement dans le ciel. Ça, c'est un peu inattendu, je ne vous l'ai jamais fait encore. Il y a des aspects tout à fait liants, donc positifs, 120 degrés, des planètes qui se protègent, et on a trois qui sont à noter, qui sont totalement atypique. Le premier, c'est Mercure, le mental, la communication en balance, on l'a vu à quel point il est fluidifiant, forme un trigone, un angle de 120 degrés quasi parfait avec Saturne, la rigueur, la profondeur de pensée, il est en Verseau, Saturne, voir plus loin que le bout de son nez, se projeter, anticiper les situations, avoir du recul, de la profondeur de pensée, ouvrir le champ de conscience. C'est pas mal pour la philo, hein, les aspects Mercure-Saturne. Il y a ça dans le ciel de façon globale. Si ça pouvait jouer sur notre aptitude à être un peu philosophe, un peu ouvert, un peu tolérant et un peu acceptant, ça serait pas mal. Ça, en tout cas, ça serait l'idée. Il y a un autre aspect dans le ciel, mais alors celui-là, c'est peut-être mon préféré. Il y a un aspect entre Vénus, qui ce mardi 7 septembre est à 25 degrés de la balance, et Jupiter, la chance, l'optimisme, tout ce qui fonctionne bien, à 25 degrés. Donc pareil, trigone parfait, avec Jupiter qui lui est à 25 degrés Verseau. Donc en ce moment, tout ce qui est expansion de la vie amoureuse, tout ce qui est expansion de la vie affective, tout ce qui est envie de faire avancer les choses en mettant la bonne goutte d'huile, la période est topissime, vraiment bonne, hein, faut y aller. Et puis, j'ai en même temps un troisième truc dans le ciel, un trigone entre Mars, l'action, la volonté, qui est à 25 de la Vierge, 25 degrés, hein, bien évidemment, c'est implicite, et Pluton, qui est à 25 degrés du Capricorne. Troisième trigone dans le ciel, entre des planètes rapides et planètes lentes. Le ciel, il est très très intéressant, il est constructif en fait. Donc Mars c'est la volonté, le Pluton c'est l'énergie profonde, vitale, planète du Scorpion, planète qui dépense une sorte de passion concentrée dans toute action. C'est très très puissant ces aspects-là. Donc qu'est-ce que j'ai dans le cas? Alors si je devais vous faire un résumé des plus gâtés, parce que là on va être très très fin, des plus gâtés avec les trois aspects dont je viens de parler, qui sont vraiment rares, hein. Il y a mes... Premier, deuxième décan, Balance, Verseau, Gémeaux, parce qu'il y a l'aspect Mercure-Saturne sur le plan intellectuel, mais également premier, deuxième décan de mes Lions et puis de mes Sagittaires. Alors là, c'est le moment de faire passer vos messages, hein, c'est là on peut difficilement trouver un meilleur climat. Et puis avec l'aspect Vénus, maintenant Amour et Jupiter, bon, qui sont les super gagnants?
J'ai troisième décan, Balance, Verseau, Gémeaux, Sagittaire, Lion, et puis même Bélier. J'ai pas beaucoup parlé de mes Béliers. J'ai pas beaucoup parlé de mes Béliers parce que quand les planètes sont en Balance, elles sont opposées avec vous. Donc mes Béliers, plus vous allez pas faire de forcing, mieux ça va marcher. Voilà ça que je vais vous laisser comme message. Surtout que mes béliers, vous avez en toile de fond un Jupiter qui vous veut du bien, un Saturne qui vous veut du bien. Jupiter, l'expansion, Saturne, la vision à long terme. Vous êtes plutôt sur des rails jusqu'en fin d'année. Je vais vous faire le prévision annuel sur 2022. Là, je vais m'y coller dans la semaine. C'est très très sympa quand même d'avoir Jupiter et Saturne en protection. Voilà, et enfin, le troisième aspect remarquable, c'est Mars l'action et Saturne et Pluton, la vision à long terme et la passion dans ce qu'on fait, va protéger mes troisième décan Vierge, mes troisième décan Capricorne, mes troisième décan Taureau, mes troisième décan Poisson. On y va. Chacun son tour, t'entends, il y a un peu de bien quand même. Mes troisième décan Cancer, c'est pas mal. Hein? Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, voilà, je vous ai fait une nouvelle lune. Je vous l'ai fait. Bon, j'essaie de faire des trucs un peu qui changent l'ordinaire comme ça. Et puis merci, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Les abonnements, hein, fait toujours plaisir. Voilà, merci pour votre gentillesse, quoi, hein, tout simplement. Et puis pour les bonnes énergies qu'on envoie ensemble. Hein, on met en place toujours ces spirales vertueuses qui nous font du bien. Vous savez, moi, je suis très attaché à des choses que je considère comme essentiel. Être essentiel, c'est quoi? C'est être paisible, équilibré, bienveillant. Ça, c'est la base. Et puis, les règles pour ça, c'est quoi? C'est une bonne santé psychique. Hein, essayer d'avoir des énergies positives, une bonne santé physique, aller crapahuter, bouger un peu, une bonne santé alimentaire, manger des trucs qui nous font du bien. Et puis, c'est une alchimie, quoi. Hein, et puis, avoir surtout, surtout mon créneau, c'est des bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Je crois que à partir de septembre, là, Olivier vous a préparé un calendrier hyper creusé. Avec plein, plein, plein. On a fait vraiment un truc creusé, quoi. On a fait une sorte de prévisionnel. Je vous avais fait un calendrier de chance et de prudence avec la Lune. Bah, en plus de la Lune, j'ai rajouté tous les aspects de Mercure, de Vénus, de Mars, de façon à faire un truc beaucoup, beaucoup plus fin et construit pour plusieurs mois. Mais c'est lui qui gère ce truc-là. Il le fait de main de maître. Il est génial. Il fait des trucs super. Allez, on se dit à très vite. Merci pour tout.